Salut à tous, c'est Tania et on se retrouve pour le 9e épisode sur Pokémémo. Donc on était entré dans la grotte ici. On va continuer. Quelle surprise! Les Topiqueurs ont creusé ce tunnel. Il va tout droit à Jadiel, paraît-il. On va l'utiliser alors. Évidemment, il y a quelques petits combats en route. Je sais pas si ça me tente d'avoir un Topiqueur. Allez, si on est capable de l'attraper, on va l'attraper. D'ailleurs, c'est un Pokémon de type sol. Je crois que c'est juste sol, mais je suis pas trop sûre. J'utilise pas trop les Top Cards d'habitude. Ouais, on pourrait faire changement un peu. Et en attraper un. Je sais pas si je vais vraiment l'utiliser, mais. Ok. J'espère que tu meurs pas. Ah, bah, il est mort. Ok. C'est le fun. Niveau 22, normalement, on devrait pas le tuer avec Fouillane. Cette fois-ci. Oh, on l'a pas tué. Avec Pokéball. Non. Go. Je voulais pas utiliser une super balle non plus, juste pour un Topiqueur. Et voilà, on a attrapé Topiqueur, il va être dans le PC si on en a besoin. Ah, encore un combat. Je vais battre celui-là pour l'XP, parce que je vais bientôt m'en donner pour 23, mais après ça, je vais fuir tous les combats. Sauf si je monte pas niveau 23. Ouais, je monte niveau 23, donc c'est vrai. Donc là, je vais fuir tous les combats. Parce que sinon, ça va être vraiment long. Sauf si je tombe sur un Pokémon que je veux, mais j'ai déjà un Topiqueur, et vu qu'il y a beaucoup de Topiqueurs dans cette grotte. Il n'y a pas grand chance que je tombe sur d'autres choses. Ah, c'est impossible. Ok. Je suis allée dans la grotte, mais j'y voyais vraiment rien. Si seulement le flash d'un Pokémon pouvait l'éclairer. Eh bien. Cave Toupie. Bon, ben on a traversé la grotte apparemment. Un Pokémon KO ne peut pas se battre. Il peut cependant encore utiliser des techniques comme coupe. Je cherche un Abra. Tu veux échanger contre mon Monsieur Mime? J'en ai pas. Ben, je crois non, j'ai un cas de. C'est un cadabra, pas un abra. Bon, on peut aller ici, apparemment. On est où là, exactement? Oh, on est revenu sur la route 2? Ah, ben c'est bien. Oups. Désolé. Petit fail de ma part. Oh ben on est revenu à cette ville ici. C'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire à cette ville-là? On pourrait faire de quoi d'intéressant. C'est quoi qui est mon lune? Non. Moi, ouais, je vais aller voir en bas. Est-ce qu'il y avait quelque chose en bas, par ici? Voyons, il y avait quelque chose. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici? Si un Pokémon apprend Flash, tu pourras traverser la grotte. J'ai appris Flash, moi. Hé, tu te souviens de moi? Je suis l'assistant. Si tu as recueilli des infos sur une dizaine de Pokémon, je suis censée te donner une récompense.
Le prof Chen m'a donné cette CS05. Alors, Tania Voyant, as-tu collecté des infos sur ce Pokémon? Bien, tu as attrapé 12 types de Pokémon. Félicitations, ici. Tania reçoit la CS05. C'est Flash. Flash peut éclairer les endroits les plus sombres. Je l'avais déjà? Hein? Pourquoi j'ai pu traverser la grotte alors? Ok. Tania a trouvé Huile. Tania a trouvé Antipara. On va utiliser Coupe. Ici aussi. Tania a trouvé Potion. Oui, mais on n'a pas fini la... on n'a pas toutes les badges pour aller ici encore. Ah, là, il y a quelque chose. C'est absolument Coupe. J'ai dû m'assoupir au sommeil. J'ai fait un cauchemar où un soporifique dévorait mon rêve et il m'apprenait à faire pareil. Oh, c'est flippant. Laisse-moi apprendre un Pokémon pour oublier. Si tu veux. Kadabra. On a pris une attaque à notre Kadabra. C'est le fun. Pourquoi il y a autant de gens ici? Ah, il y a beaucoup trop de gens ici. C'est quoi, il y a une vidéo qui se passe là ou... D'accord. On va retourner à notre village d'origine, peut-être qu'il y a de quoi d'intéressant. Peut-être. Ça rappelle des souvenirs. Même si nos Pokémon ne sont pas très très forts encore. Non, désolé. Voyons voir. Est-ce qu'il y a une... Ah, c'est notre mère, ça. Ah, j'avais oublié que c'était notre maison. Ici, c'est la sœur. Utilise la carte, d'accord. Et est-ce que Chen nous dit d'autres choses? D'accord, il dit rien. C'est intéressant. Le prof Chen n'en a pas l'air, mais il est le meilleur ramasseur de Pokémon. Beaucoup de dresseurs le respectent. J'étudie les professeurs avec le prof. Les Pokémon avec le prof, désolé. J'étudie les Pokémon avec. Ah, toi aussi. Est-ce qu'on a une canne à pêche? Oui. On va pêcher un peu. Je sais pas ce qu'on va trouver. Accepte. En fait, t'es qui? Attends, on va ajouter un nouveau. Oups. Pas long, là, parce que je sais pas trop t'es qui. Voilà, c'est seulement de ce truc. C'est quoi qu'elle dit? Ok, bon ben ça, je sais pas trop qui c'était. Le progrès c'est fou, on peut stocker et retirer des objets ou Pokémon via un PC. D'accord. Bon, on va essayer de pêcher. Oups, deux. Non, y a rien. Bon, apparemment il se passe rien dans cette ville d'intéressant. Ah, je veux pas de combat ici, moi. Non plus. Ah, ça m'intéresse pas. Je
Juste enlever les messages de combat ici. Ah, j'arrive pas. Voilà. Ok. On va dire que j'ai tout compris de ce qui se passait tout à l'heure. J'ai dit, je veux pas de combat. Pas la peine de d'apparaître devant moi comme ça. Ah, je veux un combat. Non. Non, pas comme vous. Vous êtes des Pokémon trop bas level. Y a rien ici non plus. Hein. Je sais pas où il faut que j'aille là. Voyons voir. Faudrait que j'aille par en bas, mais j'ai pas la CS qui permet de. J'ai pas la CS Surf. Logiquement, faudrait que j'aille par en haut. Ouais, c'est pas mal la seule place que je pourrais aller, parce qu'ici c'est la ligue. À moins que. Non, lui c'est le dernier qu'on a. J'ai pas fini Pokémon Sauvage, ok? En fait, je l'ai jamais fini du coup. Je vous l'avoue, je l'ai jamais fini. Oups. Ah, je suis encore très désolée. Ok, on est là. Après, ici il me dit rien d'intéressant. Il faudrait que j'aille là. Apparemment. Je sais pas. Non merci. Ah, je veux pas combattre. Possible que Splunda apprenne le métronome. Aucune idée. C'est peut-être pas moi qu'il faut demander ça. D'ailleurs, c'est pas moi qui te l'ai demandé. Bon, apparemment ça va pas marcher si on fait fuir, donc on va le one shot si possible. Ok, il était plus rapide que moi. Trio Picard, ok. Mais. Bon, il y a du niveau 27 dans. 29 dans cette zone-là. Et. On va rester là, avec celle-là. On va lui enlever la plus de vie possible, puis. Aubert, il mourra. Ouais, voilà. Puis on va faire un peu Mystherbe. Et voilà. Enfin, quand même beaucoup d'XP, ça me semble. 633. Ouais, quand même. On arrive ici. Après, on a fait toute la route ici, me semble. Faut aller là. Il y a un renflex.
L'avant-ville, c'est où l'avant-ville? C'est quoi l'avant-ville en français, en anglais? Ok, moi je suis là. La cave elle sera là. Mais si je veux aller là. Et si je retourne ici, ensuite je vais tout le chemin comme ça et je fais ça. Ouais, sûrement que je pouvais pas avant parce que j'avais pas coupe ou quelque chose comme ça. Ça doit être ça. On va espérer que c'est ça. Parce que sinon j'ai pas d'autre idée. Parce que je vous le dis, moi j'ai jamais fini Pokémon de ma vie. Eh oui. C'est ça, là j'ai jamais fini Pokémon. J'imagine qu'on peut pas s'en aller. Ah, il y a celui sur cette attaque-là. Peut-être qu'il y a juste ça aussi. Continue. Il y a beaucoup de Topika ici, il me semble. À force d'en battre, il devrait en disparaître un peu. Je peux pas croire qu'il se reproduise aussi vite. Ampleur. C'est quoi ça? Ok. On a deux Pokémon de chaos. C'est bien, c'est bien. Je sais pas si c'est utile de faire un singe comme Topiken. J'espère. Ok. C'est pas pire. Pas de combat, stop. Ah. Fallait vraiment que je le dise pour en avoir un. Il devrait monter de niveau bientôt et on va essayer de dévorer. Ok. Il y a combien de 100 pourtant, 100 de 100 de précision. Pourquoi ça marche pas? Ok, ça doit être le Pokémon en face le problème. Et pas nous. On va essayer Rafale Psy alors. Ouais, c'est mieux. C'est quoi protection? Ok. Je vais enlever entrave. Ouais, en fait, je l'utilise jamais entrave. Voilà. J'utiliserai téléporte. Ouais, j'utiliserai téléporte contre. Pour m'en aller des combats. Ben, je vais essayer, j'espère que ça va marcher. Ouais. Enfin une utilité. Oui. À l'attaque téléporte. Ah, c'est long. J'ai avancé d'un pas. Je peux pas croire qu'il y a un autre Topicard juste en bas, de là. Bon, on est enfin sorti. On va aller faire soigner nos Pokémon premièrement.
là, il y a vraiment beaucoup de monde ici, ça fait toute la gueule. Bug ici. Bon, on va aller faire la route ici le plus rapidement possible. Oh, c'est qui ça? Tu vas dans la forêt de Jade? C'est un vrai labyrinthe. Fais attention à ne pas t'y perdre. Merci du conseil. Ratata, ouais, d'accord. Non, j'ai pas de ratata. Le chemin le plus court, je m'en souviens plus. Je l'ai fait tellement de fois, puis à chaque fois je me souviens pas de c'est par où. Par exemple, c'est par là, il y a une ressource qu'il fallait battre. Il y en avait un autre. Là, il y en avait un autre. Ouais, ça doit être par là. J'ai pas l'intention de faire les combats contre eux non plus. Parce qu'ils sont trop bas level. Et ça va rien changer que je fasse un combat ou non contre eux, à part peut-être me prendre quelques dégâts. Mais je gagnerai pas d'XP, ça c'est sûr. Ils sont agaçants. Eh ben, il y en a beaucoup apparemment. Oups, non. Run. Et voilà, on a traversé la forêt de Jade, c'était assez rapide. Ah, ben. Chut. Je sais, j'aurais pu passer par là, je viens juste de m'en apercevoir. Désolée. Ah. On n'a pas besoin d'aller là. Ensuite. Ok. Par ici, je crois. Ouais, par ici. Ouais, je vais passer rapidement au sein de Pokémon. Et on va essayer de finir cette grotte-là le plus rapidement possible aussi. Par ici, par ici. Ici, ensuite, comme ça. Ensuite. Non, merci. Je veux pas me battre comme toi. Non plus. Quitter, mais je peux me battre comme toi. Ah, je sens que ça va être long. Je vais faire une petite avance rapide le temps que je sorte de la grotte. Ouais, le temps que je sorte de la grotte. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on est sorti de la, de la forêt, non, de la grotte. C'est des bêtises. Et qu'est-ce qu'on est censé faire? Parce que on est là. On peut pas aller par là. Et je vais aller par là. Donc il faut. Ok, il faut que je. Parce que si on fait, en fait, si je vais par là, je pourrais plus revenir. Bon, mais je vais y aller quand même. Voilà. C'est fait. Et je veux aller.
c'est où là-bas? Je vais aller par ici. Est-ce qu'on a... Ok, il y a des combats ici aussi. On n'est jamais passé par ici. Apparemment. Bon, là on va faire quelques petits combats. On va utiliser. Je vais rester avec Mystère. Pas avec Mystère. Ah, pardon. Avec Boostiflore. Ok, j'ai rien dit, on va rien. On va pas rester avec Boostiflore. On va changer avec Reptacelle. Il me semble. Que j'avais dit que je voulais toutes les armées au niveau 25 ou 23? 23? Ok, niveau 23. Niveau 23, donc on va échanger Boostiflore avec Mystère tout de suite après le combat. Je vais juste me dépêcher de finir ce combat parce que ça m'intéresse pas trop. Bah oui, ça m'intéresse, mais ce que je préfère, c'est quand il y a un Pokémon avec un haut, un haut level, que quatre Pokémon avec des bas level. Parce que ça permet de faire XP plus deux Pokémon, alors que là, ça permet de faire XP un peu le premier Pokémon et beaucoup le deuxième. Là, parce que c'est une question de point de vue. Hein. Surtout que sur Pokémon, il ne demande pas si on doit changer le. Si on doit changer le Pokémon avant le prochain combat de la même dresseuse ou dresseur. Donc on peut pas vraiment faire open nos Pokémon comme ça. La 7 et 40. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit qu'il fallait mettre. Mystère, ah ouais, c'est pas Mystère, c'est Orchid. Ah, je vais aller voir le mec des prénoms. Bientôt, bientôt. Ah, il n'y a pas. Ah, les dialogues sont plus traduits à partir d'ici, apparemment. Je sais pas, il disait que c'était pas fini les dialogues de traduire. On verra. Outre. Allez! Il est où 24 lui? Non, 25. Ah bon. Il y a un Pokémon de KO. Ah, il est parti des montées niveau. 22. Ouais, 22. Est-ce que c'est utile? Non. Ok. On va changer pour. J'ai pas de Pokémon haut. Bon, Ferrosage. Comment Ferrosage? Et normalement, notre Noirfang devrait monter niveau 24. Moi, je me souviens pas trop des levels de mes Pokémon. C'est totalement normal. J'ai vraiment une bonne mémoire, moi. Ça fait de bon sens. Et voilà. Ferrosage, je monte au niveau 22. Et Hoothoot monte au niveau 24. Ouais. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un autre combat. Un caninos. On va l'endormir.
Parce que, un, j'ai pas envie qu'il fasse hurlement, et deux, j'ai pas envie qu'il fasse flamèche. Oups. J'ai buzzé deux fois sans faire exprès. Et voilà. Et reste ça la mèche. T'es censé être évolué en reptile, toi, à ton niveau, juste comme ça. Ah, cool. Bon, on va espérer que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne bien. À moins que ton dresseur ait annulé l'évolution. Ou qu'il t'ait trouvé à ce niveau-là. Sauvage. Ouais, on va essayer de pas trop faire des hypothèses parce que. Y a pas de raison. J'aime pas les yeux de Salamèche, on dirait qu'il regarde qui est louche. Je sais pas. Il est bizarre. Bizarre l'image. Le corps il est bien. Mais la face est un peu bizarre. Ensuite. Ici, on a un autre dresseur, des Pokémon insectes. Ouais. Non, non, ça me dérange pas des Pokémon insectes. Pas du tout. Un chenipan. Voilà. Ensuite, deuxième Pokémon. Et le troisième, j'imagine que ça va être un. Je peux faire d'hypothèse, voilà, un Mimitos, c'est ça que j'avais dit. Non, en fait, non. Ah, déjà. Continuer avec coupe. Ouais, il devrait pas me mettre KO avant que je le mette KO, normalement. S'il ne veut pas de coup critique. Ouais, voilà. Ensuite, c'est qui comme Pokémon commun à faire monter au niveau Ferrosa? Je n'ai pas encore niveau 23, toi. Non. Alors, tu vas là. Ensuite, on a 23, 23, 23, 25, 24. Non, mais après, on fait de monter mon. Faire un singe au niveau 23, je vais peut-être les faire monter au niveau 25. C'est bien, non? Comme plan de. Comme plan, en tout cas, il n'y a pas de plan. En fait, il n'y a pas de plan. Ouais, ça ressemble à ça. Un rat qui a eu ça tombe bien, je suis type. Je suis un Pokémon de type combat. Ampleur. Ah! Ouais, bah il aurait pas duré longtemps. Bon, bah go que d'abord! Voilà. Un racaillou encore. Puis, je vais pas faire de prévoyance comme. Ah, je sens que.
Que le prochain Pokémon va être un Pokémon Raikou. Parce que bah, ça se repose. Regarde, vous voyez? Heureusement que j'ai pas fait de ma prédiction parce que ça aurait pas été ça. Convertir un PV la moitié de dégâts infligés à l'ennemi endormi. Ah, faut que ce soit endormi. Ah. Oh, mais c'est pas très utile alors. Je vais juste aller les faire soigner rapidement. Oups, pas par erreur. J'ai réussi à me perdre là-dedans alors que c'est même pas un labyrinthe. Je peux pas te combattre. Désolé. Je veux juste aller au centre Pokémon. Oh, encore une réunion de personnes dehors. Il y a beaucoup trop de monde dehors. Ok. Il y a trop de monde. Je vais aller le voir. Et c'est sur cette belle image que je vais vous dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo parce que oui, c'est déjà la fin. Dans cet épisode, qu'est-ce qu'on a fait? On a traversé la cave. Et on a essayé de trouver comment faire pour continuer l'aventure. En gros, c'était ça. Ouais, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire et vous abonner à ma chaîne si vous aimez ça. Toutes les semaines maintenant, je vais mettre un épisode de Eden Eternal. Donc, si vous aimez ça, ben, ils vont en avoir régulièrement. Alors, ça, à la prochaine, c'était Tania.